Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois avec Jérémy qui va nous présenter les évolutions qu'il a effectuées sur sa Polo WRC. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fait là? D'habitude, tu changes généralement souvent de voiture. Là, ça va faire bientôt 2 ans que je l'ai. Et donc là, maintenant, tu reviens puisqu'elle a évolué. Donc, pour rappel de la configuration, t'étais en stage 2? J'étais en stage 2, c'est ça, soft. Donc, j'avais 360 chevaux. Plus de 500 Nm de mémoire. J'avais 510. Bon, on va commencer gentiment. Les modifications esthétiques. J'ai changé donc la couleur des bandes. J'adore. Grise. Donc, en fait, j'ai conservé la bande grise d'origine. J'ai juste mis le covering par-dessus pour la conserver. Pareil sur le côté, et j'ai fait le toit en covering aussi. Cette agressivité là quand même aujourd'hui, c'est quelque chose. Hein. Ces bandes noires là, ça renforce vraiment le côté agressif avec les rappels en noir laqué. C'est pour ça que je l'ai fait. Et d'où t'es venue cette idée? Parce que des polos, on commence à en voir beaucoup, enfin, entre guillemets. Et je voulais vraiment avoir mon style à moi. J'ai rajouté donc les bad case Maxton pour faire un petit rappel donc avec la lame d'origine du pare-choc avant. Ah, donc ça c'est une lame d'origine? Ça c'est d'origine. Et là t'as fait une extension Maxton? Exactement. Bah c'est assez discret, tu vois, je l'avais pas vu. C'est très discret, voilà. C'est juste que quand on regarde de profil, ça continue bien en fait avec la hauteur du pare-choc. Parce que d'origine, en fait, le pare-choc est un tout petit peu plus bas que le bas de caisse. Ensuite, les jantes. Donc j'avais déjà sur la précédente vidéo ces jantes-là. Mais je les ai passées donc en couleur gris titane d'origine pour vraiment garder le type d'origine de la voiture. Je voulais pas trop dénaturer l'extérieur. Donc elles sont quand même plus claires qu'avant. Elles sont plus claires qu'avant. Moi, c'était gris anthracite. C'est le même freinage. Donc disque 310 mm. L'étrier c'est le même, celui d'origine, en monopiston. J'ai juste changé les plaquettes, j'ai mis donc les plaquettes Pagide. Donc pour un meilleur freinage, il y a quand même une grosse différence. Niveau bruit aussi, je t'ai entendu derrière moi. Au départ je croyais que c'était moi, mais je me suis dit non, mais ma voiture elle couine pas. À chaque freinage, le train rentre en gare. C'est pas compliqué les freinages à froid? Si, un petit peu. Hein. C'est ouais. Juste 2-3 frayeurs en freinant un peu brusquement. Et j'étais vraiment un peu surpris quand même. Et tu sens que plus ça chauffe, plus ça freine? Ouais. Bon, il y a un truc là tout de suite là qui me taquine à nouveau, c'est ça, R400. Donc c'est la principale nouveauté, Jérém, c'est ça? Exactement ça. Donc c'est quand même quelque chose. Hein. Bah, j'imagine déjà 360 chevaux, ça m'avait vraiment marqué. Hein. Bon, j'imagine que je vais être très surpris. Tu vas être surpris. C'est démoniaque! Il y a encore une différence par rapport à la fois où on était en 360 chevaux? Une grosse différence. Ouais. Une grosse différence? Une grosse différence. Avant, j'étais donc quand j'avais 360 chevaux, j'avais donc 510 Nm. Et maintenant j'en ai 560. Ça paraît pas énorme, mais au ressenti c'est juste affolant. Tu vas ressentir plus les Nm que les chevaux. Bon, tu nous montres le bac. Faut dire que ça en jette. Avant j'avais la Volkswagen Racing, qui était très bien, hein, qui était jolie, etc. Mais voilà, elle me bridait un petit peu au niveau du coupe. Et puis donc j'ai changé aussi donc la tubulure que j'ai mis en aluminium. Ouais. Comparé donc à la celle qui est en plastique d'origine, qui part de ce diamètre là mais qui arrive beaucoup plus petite ici. Donc maintenant c'est du 80 tout le long, mais il y a quand même une différence sur le comportement du moteur. Ensuite j'ai rajouté donc le wall cache cam, donc j'ai supprimé la valve PCV, donc j'ai mis avec un récupérateur d'huile donc pour récupérer toutes les mauvaises huiles, etc., pour éviter que ça aille se boucher dans le collecteur d'admission. Les bobines d'Audi R8, donc ça rajoute pas de performance, mais c'est surtout pour la fiabilité. Puis bah après c'est vraiment ce que j'ai changé, c'est valve RS4, je suis passé à valve 165 bars. J'ai changé donc les injecteurs, donc de d'origine je suis passé au RS4. J'ai changé donc la pompe basse pression, donc je suis passé en TTRS. Ça t'a pas fait peur de modifier autant de pièces, je veux dire, sur l'aspect financier pour finalement un gain qui est... Bon certes, il y a quand même proche de 50 chevaux et 50 Nm. Mais il y a un investissement quand même assez important. Au début, je t'avoue, j'étais un peu déçu quand même. Je m'attendais à mieux. Surtout qu'au début, quand j'ai monté toutes ces pièces, j'ai dû revoir un peu la gestion parce que ça allait pas. En fait, parce que j'ai aussi fait un décata. En fait, ça me bridait aussi. Ça me bridait à certains couples. Donc le fait d'avoir tout changé, etc. Donc ça a vraiment un autre comportement. Parce que j'étais resté pendant un moment à 380 chevaux. Du coup, et maintenant, donc à 398 précisément. Là, elle est en stage de plus. Stage de plus. Pourquoi pas le stage 3? C'est prévu. Parce que là, c'est vrai qu'on parlait d'un aspect financier qui était important, mais le principal gain, en limitant les coûts, ça aurait été de modifier ton turbo. Turbo, mais après, le mieux, c'est de passer en bloc forgé. Ça fait pas mal de temps qu'elle est préparée, elle en a vu toutes les couleurs. Donc je pense que maintenant, il est temps de lui remettre un peu de neuf. Quoi. Ouais, partir ouais, ouais. Sur du forgé, et après, partir sur du coup, le mettre sur un plus gros turbo. C'est quand même incroyable l'espace que tu as ici, on dirait presque que tu as un deuxième coffre. On pourrait croire qu'à la base d'origine il y a une batterie ici, mais pas du tout. En fait l'objectif c'est d'absorber l'air frais ici, de le conserver voilà. À une température fraîche, en créant en fait une séparation avec le compartiment qui est chaud. Tout à fait. On va pas présenter l'intérieur qu'on connaît déjà, d'autant plus qu'on a... T'as pas effectué une modification particulière? Pas du tout. Mise à part l'arrière. Mise à part l'arrière où j'ai juste mis un habillage en fait au sol. Bon, tu nous as parlé de décata. Oui. Donc plus de bruit que la fois dernière. C'est un petit peu plus de bruit, hein. En fait il y a des petits retours, etc. Donc c'est pas mal.
a pas de carton là sur ces petits retours comme ça? Non. C'est marrant. Là c'est d'origine, c'est depuis que j'ai mis gros injecteur, grosse pompe, etc. Donc en fait c'est voilà, c'est suralimenté, donc ça le fait comme ça. Ah oui, en effet, on sent qu'il aspire de l'air là. Hein, bah, tu verras en roulant, c'est beaucoup. Voilà. C'est, oui, non, mais j'ai entendu, j'ai pas entendu que les plaquettes tout à l'heure. Hein. Hello. Tu vois, j'ai du coup sur les cartos, j'ai donc le système donc avec le régulateur de vitesse pour régler mes cartos. Donc j'ai carto 1, c'est donc 98, carto 2, c'est la flex, donc je peux mettre autant que je veux de 98 ou de d'éthanol, mais ça je m'en sers pas. Mais c'est bien pour me brider un peu. Et puis la carto 3, donc sur les chevaux. C'est là où t'as le plus de patates. C'est là où j'ai plus de patates. Qu'est-ce qui fait que tu l'aimes autant cette caisse? Ces performances. T'étais tellement instable avant, tu changeais tout le temps de voiture. C'est et encore, il y a eu la période Audi A1 185. C'est... Ouais, où je l'ai gardé un an et demi, je crois. Mais ouais, celle-là, t'as vraiment un sacré coup de cœur. Les grands, c'est obligatoire, tellement c'est, en fait, c'est la guerre quand, non, quand tu mets c'est juste, en fait, je mets ça parce qu'en fait, c'est l'Alcantara. C'est. Qu'est-ce que j'en ai marre de la nettoyer. Donc, tu l'aimes cette caisse. Je l'aime. Eh ouais, pour la garder si longtemps. Bon, moi personnellement, je garde mes voitures longtemps, comme la Clio que j'ai gardée pas loin de 6 ans. Mais pour toi qui change régulièrement, sachant que tu en as possédé proche de 30, c'est vrai que c'est surprenant là que. C'est vraiment le gros coup de cœur. C'est, je sais pas, c'est ses performances, sa rareté. C'est genre, franchement, je me vois pas la vendre. Si je la vends, je m'en voudrais toute ma vie. Ouais, sa fiabilité aussi. Hein. Sa fiabilité, ouais. Il faut rappeler aussi que ça a été produit en édition limitée, il y en a 2500. D'ailleurs, tu as fait un petit rappel sympa au niveau de la jante. Ouais, exactement. Ouais. Donc c'est quoi l'histoire? Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi avoir fait ça? Tout simplement parce que comme j'ai fait repeindre les jantes, il y a un endroit en fait la peinture a mal accroché. Et la flemme, je t'avouerai, de les faire repeindre, machin. Bon, je me disais, c'est quoi, je vais mettre un bout de covering bleu pour faire un rappel avec les bandes bleues de WRC et puis mettre le numéro donc de ma série à moi, donc 1691e. Tu nous parlais donc des projets de stage 3? Ouais, je vais forger vraiment le bloc complet, ouais, pour être tranquille, et puis aller chercher donc les 500 chevaux, peut-être les 550 grand max. Tu penses que ça va encore plus me choquer que la fois dernière? Je pense que ça marchera mieux que la Polo de 6ème génération 410 chevaux qu'on a fumé dans le sud. Dû à son poids effectivement, et celle-là m'avait marqué 360 chevaux, donc je pense qu'avec 40 chevaux de plus ça va être ouf. Oh et ça freine. Waouh. Ouais, ça marche. Ouais, il y a quand même encore une différence. Par contre, ça bouge autant que ça? C'est bah en fait le fait que ça patine, ça a tendance, selon les déformations de la route, en fait, c'est ça cherche un peu quoi. Ouais. Après, c'est les roues avant sont en train de glisser, donc c'est un peu voilà quoi. Des fois, ça peut arriver qu'au moment où j'accélère, les roues patinent un peu. Je vais lâcher ma main droite pour passer le rapport et il va y avoir une petite déformation à ce moment-là. Donc, ouais, si tu veux, le volant il va faire ça. Donc, ouais. Voilà. C'est pour ça, quand je le tiens, c'est à chaque accélération, je suis essoufflé quoi. Et je confirme que voilà, on a plus de sensations que dans celle de 6ème génération. Bon, après, faut dire qu'on avait un passager de plus aussi. Aussi, ça joue un petit peu. Ça joue énormément. Mais même en retirant le passager, je doute qu'on ait ces sensations-là. Ça s'explique principalement par le poids. La Polo de 6ème génération est plus lourde que celle-ci, qui en plus de ça, celle-là, est allégée par les jantes et puis le fait de l'avoir vidée à l'arrière. Et malgré ça, t'as envie d'avoir plus? Mais c'est quoi? C'est quoi? Je voudrais comprendre. C'est le plaisir? C'est le plaisir. Ouais. C'est le plaisir parce que c'est. On sait qu'on peut en avoir un peu plus. Et puis il y en a tellement de polos WRC qui sont plus d'origine. Il y en a quelques-unes, notamment une personne que je connais, 490 chevaux, et c'est une machine de guerre. C'est franchement rien que ça, j'ai envie d'avoir la même puissance. Coup de prépa au total, on est aux abords des 7000 euros. Bon, ça commence à faire un petit peu, mais tu prends le prix de la voiture, tu achètes les 7000 euros, t'as quand même une voiture avec des performances absolument folles. C'est ça. Bon, le seul petit problème, c'est toujours le petit combat de comment faire passer la puissance au sol sans laisser trop de chevaux par terre. C'est ça. Mais oui, c'est clair que c'est intéressant. Enfin, de toute façon, on le sait tous, hein. C'est Polo WRC, le simple fait de faire un stage 1, je crois que tu chatouilles les 300, tu dépasses peut-être même. Alors, il y en a certaines qui vont avoir 280 et d'autres qui vont passer 300, 310. Ouais, juste avec une reprog. Donc en fait, ça dépend de la santé du moteur et du mapper. Et donc là, la dernière fois que tu étais sur circuit, t'as été où? Donc c'était à la Ferté-Gaucher. Ouais.
Alors c'était comment le passage de la puissance au sol? Parce que de mémoire, il y a le premier virage, il doit être corsé quand tu remets les gaz. Ouais, c'était un peu compliqué, donc j'étais en mode de gérer en fait ma pédale d'accélérateur pour pas trop patiner, donc j'ai réussi à gérer comme ça. Sur le freinage, j'ai pas trop été déçu parce que j'ai quand même eu du bon frein, mais j'ai eu petite frayeur en fait, c'est que les plaquettes de frein que j'avais étaient très bien. J'ai perdu les freins, c'est ça. J'avais mis des plaquettes ATE, donc c'est les plaquettes qu'il y avait dessus quand j'ai vu la voiture. Ouais. Sauf qu'elles sont très bien, sauf qu'elles se s'usent à une vitesse. À chaque freinage, en fait, j'avais la poussière de frein dans mon rétro. Ah, ça marche fort. On va pas se plaindre. Bon, je remarque que tu vas chercher la route, c'est volontaire? C'est en fait non, c'est juste que au moment du rapport, je décélère pas en fait. Ouais. Du coup je gagne du temps sur mon passage de rapport. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit rupteur vraiment une fraction de seconde. Donc c'est une voiture Jérém que tu penses garder encore quelques années? Ah oui, que je veux garder. Si j'ai envie d'avoir un autre projet, je le ferai, mais celle-ci je ne la vends pas, c'est hors de question. Niveau esthétique, ça va rester comme ça, il y aura que les sièges qui changeront dans un futur. On va avoir quelque chose de plus. Beaucoup mieux, puis visuellement plus beau. Ouais, visuellement plus que d'origine, ça manque quand même quelque chose de. Ouais. Et puis son salissant, tu m'avais dit, il me semble, ouais. Cela. Hein. C'est le côté gris de la Alcantara, certainement. D'où pourquoi je mets une serviette grise là pour. Ah ouais. Pour si pas salir la nettoyer. Voilà, exactement. Bah, je pense que si le stage 3 a lieu, tu reviendras pour nous remontrer ça une nouvelle fois. Bah, écoute, avec grand plaisir. Hein. C'est. J'aurais amélioré aussi les pneus. Je devais changer, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Ouais. Mettre le semi-slick. Ça aurait été mieux parce que là, c'est même là sur la 3, en fait. Elle décroche un peu, donc en fait on perd des sensations. Pour faire le 100-200 par exemple, voilà, c'est chiant, donc en fait c'est tu perds des centièmes, c'est relou quoi. Ouais. Tiens, en parlant de 100-200 là aujourd'hui, tu te positionnes comment en temps? Le 100-200, je suis à 7-7. Ah ouais. De toute façon, quand on touche des 10 secondes, tu commences à faire partie d'une catégorie de personnes qui vient d'une autre planète, clairement. Enfin, je parle sur des voitures de ce segment, hein. Je parle pas de tout ce qui est Porsche et compagnie. Hein. Ah, pour une traction, c'est de la folie pure, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Et puis là, depuis que tu l'as, il s'est écoulé quand même un peu plus d'un an depuis la dernière présentation. Est-ce que tu lui trouves des nouvelles qualités et potentiellement des nouveaux défauts? Ça n'a pas changé. Non, tu l'aimes toujours autant la voiture. Toujours autant. Bon, rien n'a changé. T'es vraiment dingue de la caisse. Complètement. Le fait de ne pas rouler avec tous les jours, ça aide aussi. Voilà. Bien entendu. Mais t'as pas quand même cette petite envie potentiellement de passer sur une cylindrée plus importante? Si, j'aimerais bien. Ouais. Mais en gardant celle-ci. En gardant celle-ci. Celle-ci. Tu vois, moi, c'est quelque chose que j'avais vachement ressenti quand j'avais la Clio. Je voulais passer sur quelque chose de plus gros, plus 4 cylindres. Ça me lassait en fait. Et t'as bien fait parce que c'est une très bonne caisse. Hein. Ouais, bien sûr. Encore félicitations à toi. Bah hein, écoute, merci mon Jérém. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est compris. Donc si t'as amené de changer de caisse, tu garderas celle-là, mais t'en auras ta nouvelle. Voilà, c'est ça. C'est pas prévu, mais si ça venait à se faire, c'est ce que je ferais. Ouais, bien, vous nous excuserez, hein, malheureusement, il fait très chaud. On a combien de degrés là? Ouais, on a 26 degrés. Et l'aéronef Black, une fois de plus, a rendu l'âme dans le sens où la température est excessive. Non, Jérém, écoute, une nouvelle fois, merci hein, pour nous avoir présenté ta belle, enfin les évolutions esthétiques et mécaniques de ta belle. Donc, tu reviendras potentiellement venir nous voir si tu la passes en stage 3. Quand tu auras l'évolution, ouais. Ça sera avec plaisir de la représenter une nouvelle fois. Enfin, représenter, on commence à la connaître, mais à la redécouvrir, on va plutôt dire. Parce que oui, comme tu le mentionnais, c'est une voiture que tu vas certainement garder jusqu'à la fin. Que je veux garder jusqu'à la fin. Ouais, jusqu'à ce que la France ne nous permette plus de rouler en full thermique, malheureusement. Et puis nous, en attendant, on se dit à la prochaine pour une future vidéo. Allez, salut tout le monde. Ciao. Bye.